Bonjour, chers élèves de la première année primaire. Vous qui nous suivez sur les antennes de la RTEDIC, la première chaîne thématique de l'éducation en Afrique centrale. Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble le cours de maths opération. Chers élèves, nous sommes aujourd'hui en maths opération, comme je viens de le dire. Nous allons découvrir ensemble qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui en maths opération. Avant de découvrir ce que nous allons faire aujourd'hui, je donne un exemple. Maman me donne 3 pommes. Maman me donne 3 pommes et ma sœur ajoute 2. On me demande au total, j'aurai combien de pommes? Quand le mot intervient là-bas d'ajouter, on a dit, maman a 3 pommes. Ma sœur ajoute 2. Quand nous avons le mot ajouter, quel signe que nous devons mettre au milieu ici pour trouver la réponse? Nous savons que quand il s'agit de l'ajout, nous mettons les signes ici, que nous lisons les signes plus. Maintenant, les signes plus ici et les signes de quelle opération? Nous savons que les signes plus et les signes de l'addition. Alors, aujourd'hui, en maths opération, nous allons étudier l'addition des nombres. L'addition de nombres. Nous allons commencer de 1 et à 20. L'addition des nombres de 1 à 20. Très bien, chers élèves de la première année qui nous suivent sous les antennes de la RTEDIC, quand nous disons l'addition, quand on dit l'addition, nous parlons des signes plus, qui signifie ajouter ou bien mettre ensemble. Pour bien comprendre comment additionner, nous allons passer par les exemples. Nous avons exemple numéro 1 ici. On nous donne un exercice. 3 plus 2 égale combien? Je lis 3 plus 2 égale combien? Comment est-ce que nous allons procéder? Moi, j'ai prévu les crayons comme aide-comptage. Chers parents qui est avec notre élève de la première année primaire à partir de la maison, vous pouvez aussi avoir quelque chose comme le crayon, le bic, les bouteilles pour aider le comptage ou bien pour faciliter le comptage de notre élève. Alors, de notre élève plutôt. Alors, moi, ici, j'ai prévu les crayons. En commençant par l'exemple numéro 1, nous avons 3. Je prends 3. Nous avons 3 ici. On nous demande d'ajouter combien? 2. Parce que plus signifie ajouter. Donc, je vais ajouter 2. J'ai maintenant l'exercice 3. Plus 2 égale combien? Pour trouver la réponse, nous devons mettre le tout ensemble et après nous allons compter. Comptez ensemble avec moi, vous qui nous suivez sur les antennes de la RTEDIC. 1, 2, 3, 4.
4, 5. Alors, 3 plus 2 nous donne combien? 5. Deuxième exemple, nous avons 2 plus 2 égale combien? On nous donne 2 plus 2 égale combien? Ici, nous allons prendre 2 crayons. Je prends 2 crayons. Ça ne peut pas toujours être les crayons. Vous pouvez aussi utiliser d'autres matériels à part les crayons. J'ai 2 crayons plus 2 crayons. Plus 2 plus 2. Je prends 2 crayons plus 2. J'ajoute encore combien? 2. Je mets tous les crayons ensemble. Et après, je vais compter les tout. Je compte 1, 2, 3, 4. Donc, 2 plus 2 égale 4. Numéro 3. Nous avons l'exercice 5 plus 3 égale combien? Vous devez montrer à l'ami qui nous suit sur les antennes de la RTDIC. On va d'abord prendre combien? 5. Si vous avez les bouteilles, vous allez mettre à côté 5 bouteilles. Si vous avez les stylos, vous devez prendre 5 stylos. Peu importe le matériel que vous utilisez. Moi ici, je vais prendre combien? 5 crayons. 1, 2, 3, 4, 5. On me dit d'ajouter encore combien? 3. J'ajoute encore 3. 1, 2, 3. Maintenant, comme c'est l'addition, nous allons mettre le tout ensemble pour donner la réponse finale. Nous allons compter maintenant tous les crayons que nous avons mis ensemble. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 plus 3 égale 8. Quatrième exemple, nous avons 7 plus 3 égale combien? Qu'est-ce que nous allons faire? Je vais compter 7 crayons. Je compte 7 crayons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous avons, chers amis, 7 crayons ici. Je vais ajouter combien? 3. 1, 2 et 3. Nous avons 7 plus 3 égale combien? Nous mettons le tout ensemble pour trouver la réponse finale. Alors, nous allons compter, vous qui nous suivez et moi, nous comptons ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le tout nous donne combien? 10. Alors, 7 plus 3 égale combien? 10. Et nous avons le numéro 5. Nous avons 8 plus 1 égale combien? La première des choses, nous allons d'abord compter combien? 8. Je prends 8 crayons. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 et 8. Nous avons 8. 8 crayons plus 1. On me demande d'ajouter seulement combien? 1. Voici 1. Et nous mettons le tout ensemble. En mettant tout ensemble, nous allons finalement faire quoi? Compter. Alors, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8 plus 1 égale combien? 9. Alors, les amis qui nous suivent sur les antennes de la RT Éthique, à travers les exemples que je viens de donner ici, vous pouvez aussi vous entraîner à partir de la maison avec moi. En faisant ces exercices ici, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous dit de calculer. Qu'est-ce que vous allez calculer? Nous avons l'exercice numéro 1. On nous donne 6 plus 6 égale combien? Exercice numéro 2. Nous avons 7 plus 6 égale combien? Numéro 3. Nous avons 9 plus 8 égale combien? Et le numéro 4, nous avons 10 plus 7 égale combien? Nous allons travailler ensemble. Si vous n'avez pas le matériel que vous pouvez utiliser, vous pouvez même faire les bâtonnets ou bien les boules. Alors, nous allons commencer ensemble avec l'exercice numéro 1. On nous demande de faire 6 plus 6 égale combien? Nous allons d'abord compter 6 objets ici, ou bien crayons. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai 6. Nous allons encore ajouter combien? 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je mets le tout ensemble. Maintenant, nous allons compter. Comptez ensemble avec moi si vous avez réuni déjà les objets que vous avez utilisés. Nous allons maintenant compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 6 plus 6 égale combien? 12. Exercice numéro 2, nous avons 7 plus 6 égale combien? Nous allons compter 7. Et puis, nous allons ajouter combien? 6. Comptez d'abord 7 crayons. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Nous avons 7. Maintenant, nous allons ajouter combien? 6, parce que nous avons 7 plus 6. Ça, c'est déjà 7. Et nous allons maintenant ajouter 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Nous avons 7 plus 6. Je mets le tout ensemble. Chers élèves de la première année primaire qui nous suivent sur les antennes de la RT Éthique, nous allons compter ensemble avec moi. Comptons 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 7 plus 6 nous donne combien? 13. Exemple numéro 3, nous avons 9 plus 8. Nous allons d'abord prendre 9 choses. Nous allons prendre 9 choses. Nous comptons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nous avons 9 crayons ici. On nous demande d'ajouter combien? 8. Nous allons compter ensemble 8 pour ajouter. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Nous allons mettre le tout ensemble. Pour trouver la réponse, il faut toujours mettre les objets réunis ensemble. Les objets que vous avez comptés, vous devez les mettre ensemble. Alors, nous allons maintenant compter pour trouver la réponse. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 9 plus 8 nous donne combien? 17. Alors, nous avons 10 plus 7. Nous allons prendre d'abord 10 crayons. Parce que ici, j'ai des crayons. Si vous avez aussi quelque chose là-bas, prenez 10. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On nous demande d'ajouter encore combien? Nous allons ajouter 7. Nous allons compter encore 7 crayons ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Nous allons mélanger pour compter. Avant de compter, vous devez mettre le tout ensemble. Et puis, nous allons compter ensemble avec vous. Commençons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 10 plus 7 nous donne la réponse 17. Je crois que, chers élèves, à travers ces exemples, vous avez compris comment faire l'addition de nombres. Alors, pour terminer, je vais vous donner un travail que vous allez travailler et nous envoyer les réponses sur les numéros affichés sur vos écrans. On demande de calculer. Nous avons 4 numéros de devoir. Chers parents, vous allez tester votre enfant qui est à tes côtés. Si il a quand même compris comment nous devons faire l'addition des nombres. En faisant ceci à la maison, nous avons 10 plus 9 égale combien? Numéro 2, nous avons 10 plus 3
égale combien? Numéro 3, nous avons 14 plus 4 égale combien? Et numéro 4, nous avons 10 plus 10 égale combien? Je lis les devoirs. On demande de calculer. Je calcule parce que c'est toi qui vas calculer. 10 plus 9 égale combien? 12 plus 3 égale combien? 14 plus 4 égale combien? 10 plus 10 égale combien? Chers élèves de la première année qui nous ont suivis sur les antennes de la RT Éduc, on s'arrête ici pour aujourd'hui. On se retrouve à la prochaine avec une nouvelle leçon. Bye!